Bonjour, donc nous sommes dans la pâtisserie du Ritz. Je suis avec Yann, notre pâtissier, qui va vous faire un dessert extraordinaire. Voilà, à toi Yann. Donc on va réaliser le Mont Blanc. Oui. Donc ici nous avons une base de coque de meringue. Oui, c'est une croûte de quoi là autour? Alors là c'est glacé au chocolat. D'accord. C'est parsemé de féantine. Ouais, donc la brisure de gavotte. Ah, donc après là, donc ensuite on va incorporer la crème de marron. Ah, au fond comme ça? Et la crème, il y a quoi dedans alors? Donc la crème, il y a la crème de marron, de la pâte de marron, ouais. Il y a du beurre. Ah d'accord. Et du rhum. Ah du rhum, ça c'est mais on pas va trop, juste ce qu'il faut. Alors on en met partout. Donc, on chemise bien à l'intérieur. C'est top. Donc, voilà. Ensuite, on va mettre la glace marron à l'intérieur. Ah la glace marron, ça c'est le... Côté fraîcheur de la recette. Mais c'est original ça, parce que quand le client il va casser, il va avoir la glace qui va... Ah d'accord. On met une quenelle à l'intérieur. Voilà. On va refermer le tout avec la même crème. Ah, on remet la crème. Oh, génial. Comme ceci. Ça, c'est et par-dessus, on va mettre la chantilly, donc la base du marron. Donc la chantilly, vanillée. Il y a vanille dedans. Exactement. Donc avec une douille à Saint-Honoré. Hop, on ah, ouais, c'est en fait, ah oui, on fait comme à Saint-Honoré. En fait. Exactement. Ah, c'est super. Et comme des petites larmes comme ça. Donc on fait tout le tour en fait. On ferme la coque avec la chantilly. Mmh. C'est gourmand ça, hein, comme dessert. C'est sympa, ouais. Ah ouais, c'est gourmand. C'est léger, c'est frais ouais. À la fois. Ouais, ouais, ouais. Cette saison. Alors là, alors la petite finition, on va mettre un marron glacé ah ouais, au centre. Bon. Avec la petite feuille d'or dessus. La petite feuille d'or dessus. Ouais. Ah ouais. La fille chocolat pour donner un peu de légèreté au dessert. Super. Et après, on va venir parsemer de quelques petits points pour... C'est quoi, c'est le... C'est une sauce chocolat... Sauce chocolat fondu. Exactement. Ah oui. Juste bordonner un peu un fond d'assiette, un côté sympa. En fait, ça décore et en même temps, c'est quand on le mange avec la chantilly, ça donne un petit peu... Ça parfume. C'est bon le chocolat avec et le chocolat marron, c'est vrai que ça va très bien. Et voilà. Bon, là, il faut le présenter. Hein. Tu prends l'assiette, tu le verres vers lui et tu dis bon appétit. Bon appétit. Super, hein. Bon appétit.